Que tu es descendu vers la mort immortelle, vie. L'enfer est renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscites les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu es ressuscité, se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et ressuscitant les morts qui gisaient au fond du tombeau. Tous les anges dans les cieux se livrent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Psaume 118, strophe 8. De ta misère.
maintenant sur mes voies, et je reviens à ton témoignage. Je reviens à témoigner le retard d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit te rendant grâce. Pour tes justes jugements, allié que je suis de tes fidèles, qui observe tes préceptes. De ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Crois au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Psaume 10. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Mon Dieu, j'ai mon abri. Le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment dites-vous à mon âme? Fuis à ta montagne, petit oiseau. Vois les impies bondent à leur arc. Ils ajustent leurs flèches à la corde pour viser dans l'ombre les cœurs droits. Si les bases sont ruinées, que paie juste. Le Seigneur dans son palais de sainteté. Le Seigneur dans les cieux et son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il fera le voile sur les impies, feu et soufre. Et dans leur coupe, un vent de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Crois au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Psaume 11. Seigneur, il n'est plus dessein. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir chacun à son prochain. Lèvres trompeuses et langage d'un cœur double. Que le Seigneur étrange toutes lèvres trompeuses. La langue qui fait des grandes phrases. Cela qui guise la langue est notre fort. Nos lèvres sont pour nous qui serait notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif.
cœur sont des paroles sincères. Un Jean natif qui sort de terre, cette fois épurée. Toi, Seigneur, tu nous prends dans ta garde. Tu nous protèges contre cette engeance à jamais. Vois de toutes parts, rende les impies. La bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Cantique de Judith, page 258. Seigneur notre roi, tu es l'unique. Par nos chants célébrons le Seigneur, chantons pour notre Dieu un chant nouveau. Seigneur, tu es grand et glorieux. Admirable de force et invincible, que te serve ta création tout entière. Un mot de toi et c'est fait, tu envoies ton souffle et cela existe. Nul ne résiste à ta parole. Si la base des montagnes roule avec les eaux, si les rochers devant ta face fondent comme cire, à ceux qui te craignent, tu restes favorable. Certes, c'est bien peu qu'un sacrifice de bonne odeur, et moins encore les graisses qu'on offre en holocauste. Mais qui craint le Seigneur toujours sera grand. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles, amen. De Romano Guardini, Le retour du Seigneur. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite du Père. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. C'est là que vit le Christ, dans la splendeur éternelle de Dieu, avec la gloire qu'il avait avant que le monde fût. Paul parle du Christ mystique, ressuscité, transformé et devenu glorieux par la résurrection. Du Christ qui est esprit, qui n'est pas soumis aux barrières de l'espace et du temps, aux besoins humains, et qui, porté par le Saint-Esprit, agit dans la vie des croyants. C'est la transcendance divine dans laquelle le Christ est retourné. Mais le même Christ est aussi dans les hommes et vit toujours à nouveau dans les individus et dans le nouveau peuple de Dieu, sa propre vie. Tout cela n'épuise pas encore la réalité et la puissance du Christ. Il est aussi celui qui viendra. Il ne se tient pas seulement
dans la transcendance divine et dans le devoir du temps, mais aussi au terme de toutes choses. Là aussi, il sera puissant. Il n'attend pas seulement, il fera irruption, car il viendra bientôt et mettra un terme à l'histoire. Notre Dieu siège en souverain, ainsi que l'agneau. Ils sont aujourd'hui manifestés le salut. Notre Dieu siège en souverain, lance ta foi et moissonne, parce que l'heure et le moissonneur est venu, parce que le moisson de la terre est mûre. Notre Dieu siège en souverain, ainsi que l'agneau. Ils ont aujourd'hui manifesté le salut. Lecture du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, je vus et voici une nuée blanche, et sur cette nuée quelqu'un siégeait, qui semblait un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or et à la main une faucille aiguisée. Et notre ange sortit du sanctuaire. Il cria d'une voix forte à celui qui siégeait sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne. Elle est venue l'heure de la moisson, car la moisson de la terre se dessèche. » Alors celui qui siégeait sur la nuée jeta la faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Puis un autre ange sortit du sanctuaire qui est dans le ciel. Il avait lui aussi une faucille aiguisée.
Et notre ange, encore sorti, venant de l'autel, il avait pouvoir sur le feu. Il interpella d'une voix forte celui qui avait la faucille aiguisée. Lance ta faucille aiguisée et vendange les grappes de la vigne sur la terre, car les raisins sont mûrs. L'ange alors jeta la faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la cuve immense de la fureur de Dieu. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Nous venons d'entendre à travers les images le récit du jugement des fins dernières, où les anges se font les serviteurs du dessein de Dieu. Ils sortent tous du sanctuaire, mais l'un d'eux sort de l'autel, car de l'autel monte le sang des martyrs et la prière des saints. Dieu remet à l'agneau immolé les destinées du monde. Oui, le Père aime le Fils, et il a tout remis entre ses mains. C'est lui qui brisera les sept sceaux du livre. Et quand il brisera le cinquième, que voit Jean? Jean contemple sous l'autel les âmes de ceux qui furent égorgés pour la parole de Dieu et les témoignages qu'ils avaient rendus. Frères et sœurs, nous fêtons en ce jour le bouleversant martyr de Sainte Cécile, qui, selon le récit de sa passion, a vécu à Rome au 1er ou au 2e siècle. Jeune fille de la plus haute noblesse, elle est promise par sa famille en mariage au noble romain Valérien, alors qu'elle avait fait vœu de virginité. La nuit des noces, elle confie à Valérien son secret et le convertit à la foi chrétienne avec l'apparition d'un ange. Valérien reçoit le baptême ainsi que son frère. Tous deux sont morts martyrs peu de temps après. Quant à Cécile, refusant de sacrifier aux dieux païens, elle est promise à la décapitation en public dans sa propre maison. Comme elle est belle et noble, le juge lui demande de changer d'avis. Mais elle répond, « Ceci n'est point perdre sa jeunesse, mais la changer. C'est donner de la boue pour recevoir de l'or. Échanger une vile habitation et en prendre une précieuse. Si quelqu'un voulait donner de l'or pour du cuivre, n'y courriez-vous pas en toute hâte? Or, Dieu rend 100 pour un qu'on lui a donné. » Cécile confie tous ses biens au pape Urbain et lui recommande sa famille convertie par un tel témoignage. 400 personnes, affranchies et esclaves, tous baptisées le même jour. Sa maison devient une église. Et elle est toujours là, l'église Sainte-Cécile du Trastevere, à Rome, témoin d'une vie plus forte que la mort. Mais revenons au récit. En attendant le coup de hache du bourreau, Cécile se met à chanter. Le bourreau, chancelant après 3 tentatives, ne parvient pas à détacher la tête de son corps. Cécile agonise ainsi mutilée pendant 3 jours, car la loi romaine interdisait le 4e coup. Légende ou vérité, se demandent les historiens. En 1599, lors de la seconde invention des reliques, presque 15 siècles plus tard, le corps de Cécile a été trouvé intact,
préservé de toute trace de corruption. Sous le drap de soie précieuse, on voit une jeune fille étendue. On aurait cru qu'elle dort. Elle porte une robe blanche, brochée d'or, un vêtement de patricienne, couvert de taches sanglantes, tout comme le linge posé à ses pieds. Selon l'usage des fidèles qui l'ont ensevelie, ont recueilli précieusement le sang qui coulait des plaies de la martyre. Ces plaies, elles sont au nombre de trois, comme le rapportait le récit de la Passion, trois blessures portées à la gorge. La tête est presque détachée du tronc, et ce détail explique pourquoi, lorsqu'on a couché la défunte dans le cercueil, le corps avait pris cette position étrange dans laquelle la mort l'avait trouvée. Couchée sur les côtés, mais le visage tourné vers le fond. L'index gauche est dressé, ainsi que trois doigts à la main droite. Cécile, égorgée, incapable de parler, agonisante, avait eu encore la force d'esquisser ce geste, ultime confession du mystère de la Sainte Trinité. Pour contempler le visage de la Sainte, il eût fallu le retourner et donc la toucher. Personne ne l'osera, pas même le pape Clément VIII. Cécile sera recouchée dans sa tombe après qu'un grand sculpteur, Maderno, sera venu prendre des esquisses de son corps qui serviront à l'admirable statue témoin du miracle. Frères et sœurs, oui, les saints sont à l'évangile ce que la musique jouée à la musique notée, dira magnifiquement cardinal Journet. Et la musique jouée aura toujours sa patronne, dont la vie et la mort sont une musique ineffable de la nouvelle naissance dans l'esprit. Sainte Cécile, prie pour nous et chante avec nous les merveilles de Dieu, maître de tout. Thank you.
Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Ô Christ, notre roi, nous te prions pour les exclus et les marginaux de notre société, que les communautés chrétiennes sachent les accueillir comme toi les as accueillis. Seigneur, nous te prions. Ô Christ, notre roi, nous te prions pour tous ceux que tu appelles à te suivre dans la vie religieuse. Donne-leur la force de répondre à ton appel et d'y persévérer. Seigneur, nous te prions. Ô Christ, notre roi, nous te prions pour ceux qui souffrent parce qu'ils ne te connaissent pas. Qu'ils rencontrent des témoins authentiques de ton évangile. Seigneur, nous te prions. Avec sainte Cécile, Vierge et Martyre, Dieu notre Père, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et par l'intercession de sainte Cécile, daigne les exaucer. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Yeah.
bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, et le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, et le Seigneur est avec toi. Tu es ton sein est béni. Et pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses.